Eh bien, messieurs, maintenant, je vous propose de rencontrer notre invité. Cet invité, c'est Jean-Pierre Léaud. Je suis très heureux d'accueillir dans notre émission Jean-Pierre Léaud. Je dois dire d'ailleurs que la saison 72-73 est une belle saison pour vous, puisqu'elle a commencé avec le dernier tango, qui est un grand succès, que vous interprétiez, et qu'au Festival de Cannes, vous étiez l'interprète du film de Truffaut présenté hors compétition, La Nuit américaine, et le film de Jean Eustache, La maman et la putain, qui a eu un prix, et le prix de la critique en plus. Alors je pense que vous devez être content, ça doit être agréable. Oui, c'est bien. C'est surtout bien de revenir à Cannes, naturellement, 14 ans après, avec deux films pareils, c'est-à-dire venir avec un premier film, le film de Jean Eustache, qui est un film très important, et puis de venir avec La Nuit américaine, revenir avec François, qui, à mon avis, est son chef-d'œuvre, et un film, comment dire, qui a le ton de Baiser volé, comme ça, où il y a beaucoup de personnages, qui est un film d'aventure et d'amour que j'aime, moi, vraiment énormément. Alors j'étais très ému de revenir avec ces deux films-là. Bien sûr, car vous étiez venu la première fois à Cannes avec les 400 coups. Avec les 400 coups, oui. À l'époque, quel âge aviez-vous ? J'avais 14 ans. Vous êtes fils de comédien et vous connaissiez déjà le milieu cinématographique avant de tourner avec Truffaut ? Bah non, parce que j'étais au collège. Et je me souviens que j'ai envoyé une lettre à François parce que j'avais envie d'être acteur, enfin. Et il m'a fait passer des essais. Et il m'a choisi pour son film, voilà comment ça s'est passé à l'époque. Et quel sentiment vous aviez à ce moment-là, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de vous interviewer, car notre émission, à bout être ancienne, elle n'existait tout de même pas il y a 14 ans. Quel sentiment vous aviez ? Vous aviez le sentiment d'être un acteur ou de jouer une aventure comme un enfant encore ? C'était particulier. Moi, j'ai revu surtout les essais que m'a fait passer François Truffaut. Et en effet, c'était un tout petit enfant, c'est un enfant de 13 ans qui était là. Et François me posait des questions et je répondais. Et quand j'ai revu ses essais, plus tard bien sûr, je me suis aperçu que cet enfant se rendait compte que c'était l'un des moments les plus importants de sa vie qu'il était en train de jouer et qu'il fallait qu'il ait ce rôle dans ce film. Et il y avait une espèce de volonté très, très impressionnante que j'ai vue dans ses essais. C'est ce dont je me souviens, le reste, le film, c'était une espèce de rêve. D'ailleurs, à chaque fois que je tourne avec François, je suis toujours dans un état, ce sont des vacances ou le rêve, enfin, c'est un état de grâce, quoi. D'ailleurs, je dois dire qu'il y a, entre François Truffaut et vous, une amitié qui a permis de faire vivre, dans plusieurs films, ce personnage d'Antoine Doinel, que l'on a connu avec les 400 coups, qu'on a retrouvé avec Baiser volé, avec Domicile conjugal, avec L'amour à 20 ans. Et qu'est-ce qu'il va devenir, Antoine Doinel ? Vous croyez qu'il va Antoine encore Doinel, vivre ? Non, c'est fini. Antoine Doinel, il s'est arrêté avec Domicile conjugal. Après, maintenant, c'est des rôles différents. Ce sont des rôles d'acteurs, comme Alphonse dans La Nuit américaine. Ce sont des rôles très différents, parce que c'est fini, quoi. Et alors, je pense qu'il doit y avoir, dans un tournage, entre François Truffaut... Vous avez dit dans une interview, un jour, François Truffaut, c'est mon père. Parce qu'il vous a appris beaucoup de choses. Il m'a appris mon métier d'acteur, si vous voulez, d'abord. Et puis, il m'a surtout appris l'essentiel, c'est-à-dire l'amour du cinéma. C'est ça qu'il m'a appris. Il m'a appris à être, si François c'est mon père, disons que Langlois c'est mon grand-père, un petit peu, voilà ce qu'il m'a appris. Oui, bien sûr, et en effet, je sais à quel point vous êtes aimé par tous vos camarades dans le milieu cinématographique, et que vous avez eu l'occasion d'ailleurs d'entreprendre des films avec des amis que vous connaissiez déjà. Enfin, je pense que vous devez être très sensible à ce climat. Vous êtes indispensable, non ? Oui, c'est un climat d'amitié sur un plateau, c'est... Les gens que je connais sont des gens justement qui tournaient à cette époque autour de ce qu'étaient les cahiers du cinéma. C'est ce qui a été un petit peu ma formation. Je les ai tous connus vers 14 ans. C'était les premiers films de Jean-Luc aussi, À bout de souffle, tout ça. Et justement, Eustache, c'est bien parce que c'est vraiment un rejeton lui aussi. Il a le même sang qui coule dans ses veines. Et c'était bien d'être à Cannes avec lui, bien sûr. Oui, je comprends. Lui aussi, c'est un enfant de la cinémathèque. Et quels sont vos projets ? Quels sont les prochains films où on aura l'occasion de vous voir ? Eh bien, je pense faire un film avec Bernadette Lafont, que vous connaissez, que j'aime beaucoup. Oui, bien sûr. Et qui elle aussi, si l'on peut dire, est une enfant de cette grande amitié de la Nouvelle Vague et qui est un personnage vivant et passionnant que nous avons eu l'occasion de voir ici la semaine dernière. Jean-Pierre Léaud, merci.